Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau top 10 qui était proposé par plusieurs d'entre vous. Mais je dois vous avouer que j'ai pris la décision d'aborder ce sujet grâce à ma douche. Si, je vous assure, c'est parce que c'est l'endroit où on réfléchit le plus sur le sens de la vie, sur ce que l'on mangera le soir, bref, à tout et à n'importe quoi. D'ailleurs, si vous cherchez des idées, vous savez maintenant où aller. Ouais, bon, bref. Cette intro devient beaucoup trop longue, c'est donc parti pour ce 16ème épisode de Top 10 sur cette chaîne YouTube. Mais avant de commencer ce top 10, je tenais à vous informer que ce classement ne sera que mon avis personnel. Peut-être que vous trouverez certains animaux plus jolis que d'autres et ne serez donc pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord. N'hésitez donc pas à m'indiquer dans les commentaires lequel parmi ceux que vous aurez aperçus vous trouvez le plus mignon. Bon, cette fois-ci c'est bon, nous pouvons commencer avec le numéro 10. Numéro 10, nous retrouvons le dauphin. Il s'agit d'un mammifère, il utilise donc ses poumons pour respirer. C'est pourquoi il ne peut pas rester plus de 3 à 4 minutes en moyenne sous l'eau sans remonter à la surface pour reprendre de l'air. Il est réputé pour sa sympathie. Bon, sauf si vous gardez un poisson dans votre main, bien sûr. Il est également pour sa beauté, son intelligence, bref, il est très populaire auprès des hommes qui sont souvent friands de nager à ses côtés. Il existe plusieurs espèces différentes comme le dauphin à bec blanc, le dauphin Adolis, le dauphin Adolis boréal. Ils ont été cherchés loin les noms quand même. En moyenne, il pèse 75 et 75 kg et mesure entre 1,5 et 2,5 mètres de long. Et vous savez quoi? Il possède entre 90, 90 à 180 dents selon l'espèce. Bon, juste comme ça, je vous rappelle qu'un homme adulte, s'il a été sage bien sûr, n'en possède que 32. Ses yeux, très écartés, lui permettent de voir parfaitement sur les côtés et derrière lui. Waouh, mais c'est plutôt cool, vous allez me dire. Sauf qu'il ne voit rien devant lui à cause de ça. Mais heureusement pour lui, il a la possibilité d'émettre des sifflements aigus. Ouais, des ultrasons quoi. C'est ça. Ce qui lui permet donc de localiser et de déterminer avec exactitude ce qui se trouve devant lui. Numéro 9, le tigre blanc, ou plutôt le bébé tigre blanc. Je les préfère étant petit, c'est pour ça. Cette phrase sortie de son contexte peut être très bizarre. Je les préfère étant petit, c'est pour ça. Bon, maintenant que vous êtes émerveillé devant ce tout petit tigre trop mignon, laissez-moi vous en faire connaître un peu plus sous cette peluche vivante. Bon, une peluche qui serait déjà bien vous bouffer si l'on avait envie, mais bon, elle est tellement mignonne que nous allons oublier ce petit détail. Pour commencer, ne pensez pas qu'ils ont des rayures parce qu'un ancêtre dans leur génération avait bouffé un zèbre. Ça n'a absolument rien à voir et vous le savez. Du moins, je l'espère. C'est en 1970 qu'un couple de tigres hétérozygotes roux ont donné naissance à 13 petits dont 3 étaient blancs. Des chercheurs sont arrivés à une conclusion comme quoi ce serait à cause d'une mutation d'un gène qui s'appelle SLC45A2. On dirait un code secret pour un coffre-fort, non? Ce gène serait à l'origine d'une inhibition, c'est-à-dire empêcher ou ralentir un processus physiologique des pigments orange et jaune. Et comme elle n'a que très peu d'effet sur le noir, les tigres blancs conservent leur rayure. Et pour finir avec cet animal, sachez que leurs chances de survie sont largement compromises par cette couleur atypique qui les empêche de se camoufler dans la forêt et de surprendre leur proie. C'est pourquoi les voir en captivité n'est pas toujours une mauvaise chose. Bien sûr, il y a des exceptions, des parcs qui s'en occupent très mal, mais s'ils sont à un endroit comme Péridesa en Belgique, il ne faut vraiment pas vous inquiéter pour eux. Bah oui, car ils sont plus que bien traités. Numéro 8, le petit hamster tout mignon. Bon, pour le coup, je ne les aime pas étant petit. On peut d'ailleurs dire qu'il est assez moche, enfin, chacun a son avis. Malgré qu'ils soient tout mignons, ils n'ont malheureusement pas une grande espérance de vie. En effet, ils ne peuvent vivre que jusqu'à 8 ans pour un grand hamster, mais pour les plus petits, ils ne dépassent pas les 2 à 3 ans. Pour le mode de reproduction de ceux-ci, sachez qu'ils sont polygames, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de partenaire précis. À la saison des amours, les mâles hamsters vont d'un terrier à l'autre à la recherche de femelles réceptives. T'imagines si c'était pareil pour nous les humains? Excuse-moi, la porte était ouverte, on se connaît pas, mais on baise. Numéro 7, nous retrouvons le renard. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, je le trouve vachement mignon personnellement.
Bien qu'il soit voleur, il écoute extrêmement bien si vous lui demandez gentiment d'arrêter. Non, plus sérieusement, quand je parle de lui comme étant voleur, je parle de lapin. Bon, du coup, c'est plus les bouffées que les volées, mais ce n'est qu'un détail. Bon, ok, un gros détail. En ce qui concerne sa taille, il est assez petit car son corps mesure entre 60 à 75, 75 cm et 35 à 50 pour sa queue. J'ai promis à une certaine personne de ne pas faire de blagues là-dessus. Bon, du coup, je tiens ma promesse et ne la ferai pas. En ce qui concerne son poids, il pèse plus ou moins 6 kg. Il est donc assez léger. Il peut vivre entre 2 et 3 ans. Oui, comme pour le hamster, mais lorsqu'ils sont en captivité, leur espérance de vie s'allonge et peut atteindre les plus de 10 ans. Comme vous le savez, les renards sont des vecteurs de la rage, mais également de la trichinose ou de l'échinococcose alvéolaire, un truc du genre. Des maladies qui peuvent se révéler mortelles chez l'homme. Fais donc toujours attention, car pour prendre un exemple de la rage, la maladie tue encore aujourd'hui entre 40 000 et 70 000, 70 000 personnes chaque année dans les pays d'Afrique et d'Asie. Et il n'y a pas que les renards qui peuvent en être porteurs. Numéro 6, nous trouvons le lapin. Vous savez, ceux qui se font bouffer par les renards. Ils tentent d'ailleurs d'échapper en permanence à une grande quantité de prédateurs, grâce à une excellente vue à 360 degrés. C'est pour cela que je n'arrivais jamais à les attraper étant petit. En parlant de petit, vous connaissez sûrement l'expression être un chaud lapin ou être chaud comme un lapin. Je la trouve bizarre cette expression quand même, je ne sais pas pourquoi. Bref, pour ceux qui ne le savent pas, cela voulait dire qu'une personne chaude lapin allait avec toutes les filles d'un village par exemple. Si on utilise cette expression, c'est parce que le lapin peut avoir jusqu'à 5 portées par an, pouvant compter chacune jusqu'à 12 petits. Je te laisse calculer le nombre de lapins que ces mammifères peuvent avoir chaque année. Ah, le poussin. Regardez comme il est beau. Mais qui est le con qui a osé faire ça? Non, même si cette blague était marrante, dis-moi, j'espère qu'elle était marrante. Ou alors, je ne fais rire que moi depuis le début de cette vidéo. Sachez que je n'arrive plus à manger un seul nugget depuis que j'ai vu comment ils étaient tués. Pourtant, je trouve ça délicieux, hein. Mais maintenant, à chaque fois que j'en mange, je repense à ces images de poussins juste horribles. Pour ceux qui ne le savent pas, on jette les poussins mâles comme de la merde dans un broyeur, et les femelles sont-elles jetées dans une sorte de bac pour qu'elles puissent se reproduire par la suite et continuer la production de nuggets. Pour penser à autre chose, je trouve qu'ils sont aussi mignons que les canetons. Avouez-le, nous avons trop envie de les prendre dans nos mains pour leur faire un tout petit câlin. Numéro 4, j'ai choisi la chouette. C'est plutôt chouette, non? Tu sors. Ok. Non, plus sérieusement, je les trouve trop belles étant petites, mais elles les aiment un peu moins quand elles deviennent grandes. Elles restent très belles, hein, je ne dis pas le contraire. Je vois déjà les passionnés de chouettes qui arrivent dans les commentaires pour me démonter. Bon, pour ce numéro 4, je préfère vous mettre une musique de fond super chouette. Et bon, faut vraiment que j'arrête avec cette blague à la con, moi. Et vous laisse donc avec des images de chouettes. Numéro 3, nous retrouvons le pingouin. Bon, tout d'abord, il faut faire la différence entre un manchot et un pingouin. Pour votre culture, sachez que le petit pingouin a des ailes qui lui servent à voler, mais également à nager. Alors que le manchot ne peut les utiliser que pour nager, il ne peut donc pas voler. Ils ont donc fait une erreur dans le dessin animé Madagascar, car il s'agit de manchots et non de pingouins. Nous sommes incapables de voler. Minuscules et sans défense, les bébés pingouins sont pétrifiés de terreur. Mais bon, il est vrai que ça sonne mieux les pingouins de Madagascar plutôt que les manchots de Madagascar. Enfin, ce n'est une nouvelle fois que mon avis. En parlant de pingouins, j'étais surpris de l'apprendre, mais il en existait autrefois une autre espèce, qui s'appelait grand pingouin. Mais le dernier d'entre eux a été tué en 1844 en Islande. C'est là que nous pouvons dire que certains hommes sont vachement cons. Numéro 2, le bébé phoque. Regardez-moi sa petite tête toute mignonne. Cette famille, appelée Phocidae, comporte plus de 18 espèces actuellement vivantes. La plus connue est celle du phoque commun qui vient du latin phoque qui signifie veau marin. Bah quoi, comme ça vous le savez. Un mâle de cette espèce mesure en moyenne 1,55 m pour un poids de 90 kg, 90 kg, alors que pour la femelle, sa taille moyenne est de 1,45 m pour un poids de 70, 70 kg. Et dire que chaque année, des gros c***ards de chasseurs tuent pour le plaisir ces bêtes sans défense. Bref, je ne préfère ne pas trop y penser.
penser, car nous ne saurions malheureusement rien faire pour raisonner des malades pareils. Passons donc maintenant au top 1. Et enfin, en numéro 1 de ce top 10, nous retrouvons un petit écureuil sous le nom de... Oula. Teromys Mamonga. J'aurais été gâté au niveau des noms pour cette vidéo, moi. Mais regardez-moi cette beauté, ce n'est pas pour rien qu'il est en numéro 1, ce tout petit rongeur. Il mesure entre 10 et 20 cm pour un poids de seulement 100 à 200 grammes. Même ton téléphone pèse plus lourd, quoi. Cette espèce vit exclusivement au Japon sur les îles de Honshu... De Honshu et de Kyushu. J'aurais vraiment été gâté pour les noms aujourd'hui. Il fait partie de la même famille que les suricates. Non, pas ceux qui ont fait le film, hein. Mais bien de cet animal-là. C'est à présent la fin de ce top 10, mais s'il vous plaît, ne quittez pas maintenant et laissez-moi vous dire quelque chose. Le mec, il donne des ordres, là, tu vois. J'ai vraiment fait en sorte de dynamiser le plus possible cette vidéo. Cela m'a pris plus de 40 heures pour mettre en place les recherches, l'écriture, l'enregistrement, les images, les vidéos et les idées aussi, tout bêtement. Attends, j'en prends mon souffle. Tout ça pour dire que ça me ferait juste super plaisir qu'en récompense de tout ça, vous laissiez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Ça ne vous coûte absolument rien et ça me motiverait juste énormément pour la prochaine vidéo. Je vous remercie déjà en avance. D'ailleurs, petit défi, si on arrive à dépasser la barre des 1986 j'aime de la vidéo sur les 10 animaux les plus dangereux au monde, je serai le plus heureux des hommes. J'abuse. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau top 10. Allez, ciao tout le monde.